Et ces manomètres là? Eh bien, il y a pour les freins, en haut, pour les freins, et après c'est la pression. Oui. La pression, il faut toujours qu'il y ait au minimum 8 bars. 8, 10 bars. Mais quand il n'y a pas de freins, on descend avec les freins ou quoi? Ah, mais les freins, il y en a tout le temps. C'est de l'air, les freins. Oui, mais justement, mais s'il y a une fuite, s'il y a une fuite. Ah, ben il s'arrête. Hein. S'il n'y a pas de frein, on arrête pas. Sinon il devient plus. Et là c'est pour envoyer de l'eau, on ouvre ça, ça envoie de l'eau dans le. Dans dedans. Ah dedans. Ouais, pour chauffer. Ah venant de derrière. Ouais. Celle qui vient de derrière. Ouais. Derrière. Ah d'accord. Et la manette de là-haut. Ça aussi c'était. Touche pas à ça, petit con. Ah mais il avait aussi un siège, monsieur. Ah ben oui. C'est un peu le siège comme un TGV, quoi. Il y a deux sièges. Comme le TGV. Enfin, celui qui est là, normalement, il met que du charbon, donc il n'y a pas le temps de s'asseoir. Celui qui conduit, il s'assoit. Il peut s'asseoir. Il regarde les signaux, lui. Ah mais j'ai connu à une époque monsieur Centro. Centro, ça me dit à Couzex. Ouais. Et il y avait monsieur Dufour aussi. Oui. Claude? Non. Je crois bien de... Dufour. Oui, mais moi j'ai travaillé avec un Claude Dufour, qui habitait pas Couzex-Semaine, mais pas loin. Ah ben oui, oui, à plusieurs. C'était plus. Oui, voilà. À plusieurs. Hein. Ouais, oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est pas le même Dufour. Il y avait un autre Dufour qui avait fait la ligne Toulouse. Dimanche, il me disait 4 tonnes de charbon. Ah oui, mais ça prend au 100 km, ça en prend 2 tonnes. En 5 km. 1 tonne 5 de tonnes et 15-20 mètres cubes d'eau. Combien? 15-20. Entre 15 et 20. C'est pour ça qu'il y a des grues à eau de temps en temps. Oui, oui. Ah, oui. Il y a ces fuites s'estompent quand. Oh non, il y a toujours des fuites. Toujours des fuites d'eau. Toujours des fuites d'eau. Oh. Ça a toujours existé, ça? C'est vieux. Hein. Mais je pense que ça fait bien 3 mètres de long, hein, le truc. Donc c'est sur une grille, avec l'air passe. Ça va jusqu'au bout là-bas. Donc le but, c'est de mettre du charbon sur toute la surface de la grille. Faut pas qu'il y ait trop. Faut pas qu'il y ait trop. Ben non. Faut que ça brûle un peu partout en même temps, quoi. Et alors, c'était la personne qui était responsable de... Ouais. Il jouait pas aux cartes, le gars là. Ah non, je pense qu'il était bien fatigué quand même. Oui, oui, oui. Ouais, ben oui, ça dépend. Ça dépend comment c'est usé. Oui, voilà. Plus ou moins dans les. Et la largeur de la roue, elle est de combien là? Oh,
mais par rapport, elle est presque pas le double, mais pas le double, oui. Mais ça doit faire 15 centimètres. Il y a un battement, quoi. Ah oui, oui. Ah oui, oui, mais messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Le car destination de Saya, départ prévu 10h07, effectuera le terminal 1. Il y a quand même. Et après, s'il y a un virage, ben, ça se déporte tout seul. Mais c'est le même principe sur les trains actuels. Ah oui, oui, ça n'a pas changé, ça. Ouais.